Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un jeu où aujourd'hui on va regarder Magnetis. C'est un petit jeu où j'ai acheté en promo forcément sur Steam. Hop, je sors la souris vu qu'elle sert à rien. Et c'est assez marrant comme principe. Bon, je regarde encore un petit peu les menus, enfin j'ai déjà un petit peu joué. Et il explique comment jouer, c'est vraiment tout bête. Il y a petits aimants, des blocs conducteurs, des lignes, et ça fait boum. Puis bon, il y a des trucs qui peuvent faire vraiment très boum, vraiment très très boum, et vraiment pas beaucoup boum. Normal, time attack, bloc attack. Normal, parce que c'est le plus simple. Et c'est parti, et ça ressemble un petit peu à Tetris, avec un petit twist de plus. Voilà, c'est un petit peu le jeu. Donc après on peut faire des trucs un peu plus fins ou l'obliger à faire des trucs un petit peu plus grands, puisqu'à chaque fois qu'on pose un bloc il s'auto-aimante plus ou moins. Donc du coup on peut faire des trucs un petit peu comme ça. Hop, donc on va poser cela ici et celui-là on le met ici et paf, on a fait un gros truc. Donc du coup c'est un peu comme ça. C'est assez simple, c'est assez marrant. Et c'est quand même pas mal prenant comme blague. Assez vite ça commence à devenir assez intéressant au niveau de la façon dont on organise notre petit truc pour que ça soit le plus rentable possible au moment où ça va exploser pour faire le plus de points. Et après on peut aussi s'arranger à faire des combos. Ah, voilà, maintenant on a le bleu qui ne fait pas très bon ménage avec le jaune, même plutôt très mauvais, parce qu'à chaque fois qu'ils sont l'un sur l'autre et qu'ils explosent, ils ont tendance un petit peu à faire des blocs plutôt inutilisables. Donc c'est pas très cool. Mais on peut comboter pour faire des multiples, ce que je vais bien sûr pas réussir du tout à faire là. Ouh là, c'est pas passé loin, j'ai failli me créer toute une zone bloquée. Là, je suis en train d'essayer de faire péter les bleus pour tout faire redescendre en bas. Donc là. Ça, on va le déposer ici. Ça là, ça m'arrange pas. Ça non plus. Ça m'arrange un peu plus déjà. Ça fait ça. J'aurais même pu m'arranger à faire encore un peu mieux. Voilà, bon, ça c'est pas cool. Et ceux-là sont pas. J'aurais dû faire un peu plus attention, puisqu'effectivement, en les séparant, je les aurais forcément fait exploser. J'aurais pas fait ce bloc moche. Mais coup de bol, on peut le supprimer. Et là, je me suis auto-bloqué comme un gros noob. J'aurais dû être un peu plus logique et penser que les mettre les uns après les autres comme ça, ça ne fonctionnerait pas. Eh ben, dis donc. C'est pire que quand j'ai commencé à y jouer tout seul tout à l'heure. Ah, là j'ai fait un petit x2. C'était pas forcément prévu. Boum. Boum. Level up. Ah bah ça c'est... Mais je fais n'importe quoi. Pourtant il me semble que tout à l'heure je m'en suis mieux sorti. Ah, j'ai pas eu le temps d'aller à l'emplacement que je voulais. Ah, c'est terrible. Voilà. Non. Rien. Je ne regrette rien. Alors là, je me suis bien fait enfler par le jeu quand il a décidé de faire le decay plus ou moins automatique qu'il y a. Et là, j'ai fait n'importe quoi encore une fois.
j'aurais pu m'en sortir. Mon dieu, mais je fais vraiment n'importe quoi. Comme je disais, j'aurais pu m'en sortir un peu mieux. C'est-à-dire en ne faisant pas du tout ce que je suis en train de faire. Voilà, boum. Boum. Une briquette. Ah. Ça devient critique. Et c'est pas les bons que j'ai. Boum. Level up. Non, c'était pas là qu'il fallait le mettre. Celui-là non plus. Celui-là là, voilà, boum. Bon, on va le poser là, celui-ci. Hein. Celui-là, on va le poser. Et voilà. C'est cassé. Last place. Ça veut dire que j'ai fait mieux tout à l'heure. Bon, on va profiter pour regarder un petit peu ce qu'on a, le time attack. Non. On va regarder le bloc attack, puisque le time attack, c'est partout pareil. Et le bloc attack est peut-être pas forcément la même chose. Oui, de toute manière, celui-là n'est pas très... Hop. Voilà. Ici... Ici, je pense qu'il doit y avoir moyen de faire des choses assez sympathiques en utilisant les possibilités de combo du jeu. Mais bon, vu que ça fait à peu près 3 secondes que j'ai commencé à y jouer, voir les possibilités de combo et se les préparer, c'est pas forcément trivial instantanément dans ce genre de jeu. Donc on va faire un peu sans. Parce que là je suis sûr qu'il y avait possibilité de comboter les deux trucs que j'ai fait. Hop. Voilà, j'ai le droit qu'à 100 blocs, c'est ça. Bam. Hop. Voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. En les séparant, on arrive à ne pas s'auto-bloquer. Oui, bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça fera quand même l'affaire. Toc. Ça non plus, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Ça fera quand même l'affaire là où c'est. Il me reste 45 blocs, je vais faire un score surmoisi, mais c'est pas grave. Boum. Hop. Hop. Ça, on va les séparer. Voilà. Ça, on va le poser ici. Chtouim. On a un peu l'impression de jouer quand même à... Comment ? À l'émission avec champion dans le titre. Non, c'est pas qui veut gagner des champions. Question pour un champion avec le petit son de cassement des blocs. Bon, ça c'était pas ce que je voulais faire non plus. Tac. Petit x2 impromptu. Ah oui, aussi c'est ce que j'avais oublié de dire. On peut les tourner. C'est vrai que si je m'en étais rappelé tout à l'heure, ça aurait peut-être été plus facile. Ce son est exaspérant pour prévenir qu'on est bientôt à la fin. Enfin, qu'on est même exactement à la fin. 1568 en bloc attaque, je pense que c'est merdique. Mais c'est pas grave. C'était Magnetis, c'est marrant. La replayabilité est quasi infinie, un peu à la Tetris. Et... Enfin, c'est une mécanique de jeu qui est assez marrante. Bon, déjà quand même pas mal utilisé, mais avec le petit twist de l'aimantation et des blocs qui disparaissent de temps en temps, c'est assez sympa. Ça, si vous aimez ce genre de jeu, hein, c'est tout bonus. Allez, salut!